Voilà, si vous restez un petit morceau de foie gras lors d'une soirée bien arrosée, et ben il n'est pas perdu ce petit foie gras. Après les pâtes carbonara pour la masse, les pâtes au foie gras pour la masse ultime. Une fois que vous avez un bon foie gras, des bonnes pâtes chaudes, Barilla de préférence. Donc là, à mettre dans les pâtes chaudes directement. Couper en petits morceaux pour que ça fonde mieux. Donc là, là c'est pour la masse, dans les gueules. De toute façon, on a bien, on s'en bat les couilles. Ça sert à rien. Il faut prendre la masse, la force, c'est le secret pour être énorme en fait. Là, vous allez voir après, ça va bien fondre. Là, pour la masse, là. Voilà. Allez. On n'oublie pas les petites miettes. Les miettes de la masse. On peut mélanger avec de la poudre d'humain. Comme vous voulez. Voilà. On mélange bien. Ça fonde bien. Là. Délicieux, on met un peu sur la poêle qui est encore un peu chaude. Hop. Voilà. Là. Là, c'est impeccable. Là. Les pâtes au foie gras. Là, ça va fondre là. Là, trop bon là, les pâtes au foie gras. Wow. C'est fondant, crémeux, moelleux, onctueux. Wow. Péter le bide là. Pour la masse, ultime là. Voilà, bah écoutez, bon appétit et bonne pâte foie gras.